Recevoir ce trophée de la main de Carles Puyol, qui vous avait déjà fait un cadeau par le passé, j'imagine que c'est encore plus fort pour vous. C'est vrai que Carles, on sait ce qui représente le milieu du football. Quand je lance le plateau, c'est aussi énormément le recevoir de sa main une deuxième fois après une Ligue des Champions. Fier de partager ce moment avec lui, je l'ai partagé pas mal à Barcelone. Éric, qu'as-tu pensé du parcours de Lyon, ton ancien club, cette saison, qui a failli prendre le titre au PSG? Lyon reste toujours un grand club. C'est vrai que c'est un club qui, ces derniers temps, a été critiqué. Vraiment satisfait de leur saison. Ils ont su mettre le suspense presque jusqu'au bout. C'est un club qui apporte beaucoup au football français en formant énormément de joueurs, notamment Nani Fekir, un meilleur espoir, peut-être Alexandre Lacazette, un joueur. Ça a toujours été un grand club formateur. Des joueurs et des jeunes joueurs sont issus de là-bas. J'ai un peu vu la philosophie en dehors de la gamme durant l'époque. Comment ça puisse continuer en tant que membre de l'Olympique pour donner plus sur le futur un joueur comme Fekir. Un dernier mot, Eric, là, il va y avoir la finale de la Ligue des Champions. Pour l'ancien Barcelonais, je me dis que votre cœur balance. Oui, bah, d'un côté, ouais. non, bien sûr, je pense que satisfait de voir le Barça en finale. Le final, c'est bien de pouvoir la jouer, mais c'est bien de pouvoir la gagner. Donc, je me souhaite le meilleur. Je crois que jusqu'à présent, il y a vraiment pas le meilleur hors niveau. Il faut savoir comment passer l'équipe de la Juve. Merci.